Bonjour, équipe du concours Louis Hébert. Mon nom, c'est Sarah Lucier. Je suis nouvellement entrepreneur. En fait, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite d'être entrepreneur. C'est quoi qui me motive pour me lancer en agriculture? En fait, depuis que je suis toute petite, je veux avoir ma ferme. C'est super important pour moi. C'est mon rêve de petite fille qui a persisté dans le temps. Et pourtant, je ne viens pas d'une famille d'agriculteurs, mais j'ai vraiment ça en moi, l'amour et l'appel de la terre. Du respect de l'environnement. Pour moi, là, c'est des valeurs super importantes. Je m'enligne pour partir mon projet d'une ferme hydroponique en entrepôt intérieur dans le coin de Cap-Santé, dans la belle MRC de Portneuf. Et je veux vraiment faire une différence avec le COVID-19. On voit vraiment l'autonomie alimentaire, comment c'est important, notre sécurité alimentaire aussi, de devenir plus indépendant. Puis dans toute cette crise-là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire ma part dans ça? Puis pour moi, ma solution, c'est de créer mon entreprise, offrir des aliments sains, proximité aux Québécois à l'année, aussi des aliments qui vont être goûteux. C'est vraiment ça qui m'anime là, comme motivation première. Pourquoi vous devriez me choisir comme finaliste? En fait, je suis une personne passionnée. Ça fait déjà 3 ans que je suis en pré-démarrage, que je fais mes devoirs, que je pose des questions, que je fais mon plan d'affaires, mes prévisions budgétaires, que je demande des conseils et tout ça. Je suis vraiment une personne qui continue, qui lâche pas. Puis ça, je pense que on peut juste encourager un entrepreneur qui est persévérant. Puis sinon, qu'est-ce que je fais avec la bourse de 5 000 $? Ben, en fait, je développerai mon branding parce que là, on commence, on va démarrer la ferme cet hiver. Donc, j'ai besoin là, d'avoir mon image de marque, ma publicité, nous faire connaître pour assurer nos ventes. Je l'utiliserai pour ça. Merci!